tu vas nous faire entendre ce qu'est un homme heureux. D'accord ? D'accord. Tu en es capable ? Ou pas ? Oui, j'en ai capable. Il en est capable, j'en ai capable, tu en es capable, il en est capable, nous en sommes capables, vous en êtes capables, ils en sont capables. C'est ça ? D'accord. Attention. Here we go. Manu entre en scène. J'en ai capable, tu en es capable, il en est capable, nous en sommes capables, vous en êtes capables, ils ne sont qu'accables. Ah, ça y est, je suis heureux. Voilà. Mais comment tu fais ? C'est la mémoire. Oh là là, c'est extraordinaire! Comment tu peux nous faire une impro d'une chose que je n'ai absolument pas demandé? Ah ben je retiens tout, parce qu'à un moment donné, t'as dit que je vais être heureux, et qu'en fait, quand t'as conjugué, j'ai dit, bon, ben vraiment, je sais pas ce que je vais faire. Et ensuite, donc, dès que t'as mis en jeu, donc j'ai dit, je vais essayer de voir... Ok. Tu vas nous faire maintenant vivre ce qu'est l'ambiance d'un homme malheureux. J'en suis con. Tu en es con, il en est con, nous en sommes cons, vous en êtes cons, ils en sont cons. Manu entre en scène. Ah, j'en ai comble, tu en es comble, il en est comble, nous en sommes comble. Vous en êtes comble, ils en ont comble. Terminé. Voilà. Mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Eh ben oui, c'est ça. Ben c'est parce qu'il faut prendre de l'esprit, il faut prendre son temps. Et la dernière fois, j'étais allé trop vite et voilà, c'est voilà. Arrivé. D'accord. Tu vas, Manu ? Nous faire vivre l'ambiance d'un homme pressé, d'accord ? D'accord. J'en suis crétin, tu en es crétin, il en est crétin, nous en sommes crétins, vous en êtes crétins, ils en sont crétines. Et Manu rentre en scène. J'en ai crétin, tu en es crétin. Ils, nous, vous en êtes crétins, ils sont crétines. Bravo! Faut que tu parles un peu plus fort hein, quand même. Hein. D'accord. Et maintenant, tu vas nous faire une petite impro. Est-ce que tu pourrais nous interpréter le rôle d'un homme qui rentre le soir fatigué du travail? Oui. Et qui s'énerve sur sa femme? D'accord. Allez, vas-y. Direct, sans les tapements. Vas-y, rentre en scène. Écoutez bien, vous allez être surpris, c'est de l'improvisation. Ah, je suis fatigué. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois ? Mais je t'ai dit, ma femme, je suis fatigué, je suis épuisé et j'ai envie de me coucher et puis voilà. Mais quoi ? Je suis fatigué, je t'ai dit, chérie, c'est pas la peine de m'en prendre au sérieux. C'est du lourd. Voilà. Ah bah d'accord. Ah bravo Manu, bah écoute, ça nous a fait plaisir. On rappelle que ton anniversaire, c'est donc le 9 mars. Oui. On ne le manquera pas, on va le noter sur nos plaquettes et... Bonsoir Karen. Bonsoir Max. Comment vas-tu, saltimbanque ? Ça va, ben très bien. Tu es content d'être avec nous ce soir, moins que rien ? Eh ben, tout baigne. Tout baigne, même pour les gens qui se plaignent. Ouais, hein ? Bien sûr, je me suis trompé, c'était pas dynamique, c'était disponible. Alors je répète la formule, disponible, énergie, plaisir. Ah, d'accord. Parce qu'il faut être disponible, parce qu'il faut savoir qui est-ce qui va jouer en premier. Donc c'est ça la disponibilité. Bah ouais. J'avais dit dynamique, mais j'avais dit n'importe quoi. Oh bon, tu sais, ça t'arrive souvent de dire n'importe quoi. Hein.
Mais c'est disponible, énergie, plaisir. Voilà, cette fois-ci, c'est pour devant. T'as rarement dit des choses qui étaient intelligentes, hein. C'est très rare. Hein. Tu m'as dit tout baigne, même pour les gens qui se plaignent. Tu connais donc Ménélic ? Oui. Oh, je connais ça. Ah, vas-y, on va improviser tous les deux parce qu'on va faire des impros de théâtre. Vas-y. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, Manu, sinon je te dirai bye bye. Ah, je sais pas chanter en rap. Bon, je commence. T'es prêt? Oui, d'accord. Merde. Bon, c'est pas grave, on a pris du retard. Où t'étais, Manu? Je t'ai cherché partout. T'étais pas au théâtre, t'étais même pas au cinéma. Je t'attendais pour pouvoir faire ces petites impros comme tous les samedis. Mon Dieu, mais où est-ce que t'étais? Super, Manu. Donc là, normalement, t'es censé me répondre en improvisant, Manu. Hein. Non, mais c'est pas chanter en rap. D'ailleurs, j'aime pas ça. Je te demande pas si t'aimes ou t'aimes pas. Je te demande de faire ce que je te dis. Ah, excuse-moi. Quel naze, celui-là, alors. Tu te crois où, toi? Ici, t'es chez moi, dans le Star System, alors avec moi, d'accord? D'accord. Non, mais on croit rêver des fois. Attention. Où t'étais, Manu? Je t'ai cherché partout. Je croyais que t'étais là, mais tu n'étais pas encore arrivé au théâtre. On t'a cherché, tu n'étais pas là, même pas dans les Waterm. Alors où est-ce que t'étais? J'étais parti à vous, on est au cinéma. Et par contre, maintenant, je suis avec vous. Je suis au Star System, bien sûr, je suis là. Je suis fidèle comme tous les soirs. T'étais au cinéma, mais t'es parti voir quoi? Nous, on y est allé et il y avait personne dans la salle. On était trois, tu n'étais donc pas là. Mais où t'étais, Manu? On t'a cherché absolument partout. Je suis allé partir au cinéma et je suis allé voir l'extraterrestre. Et donc l'extraterrestre, j'ai trouvé que c'est nul, à part les deux inconnus qui jouaient très bien. Bernard Campan et Pascal Zitimus. Oh yeah. Et dans l'impro, Manu. Et dans la salle. Et il n'y a que toi que j'aime. Didier Bourdon. Ouais. Yes. Yeah. Ouh. Yeah, yeah. Ouh. Bourdon, Campan, Légitimus. Yes. Attention, c'est à moi. Toi qui nous écoutes ce soir, peut-être que tu vas t'amuser. Il faudra nous appeler au 03 800 5000. Je bafouille, mais c'est pas grave. Je vais continuer avec mon petit Manu. On va partir dans une impro. Alors Manu, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Des petites impros de théâtre qu'on attendait bien hier. À motiver les gens à faire des impros avec moi. Je suis très fidèle. Ça va, c'est bon. T'es à chier. Ouais, tu passeras. Hey, t'es à chier quand même. Hey, reconnais-le quand même, tu peux le dire. Ouais, bon, ça va. Bah dis-le. Chier. N'aie pas honte de regarder les gens quand même quand tu le dis. Vas-y, retourne-toi et dis-leur. Chier. Non. Putain. Non. Tu dis, tu te retournes, tu regardes les gens gentiment, Manu, en souriant, tu leur dis je suis à chier. Oh les gens, je suis à chier. Voilà, et au moins il a de l'humour, c'est super. On va attaquer tout de suite les impros, Manu. Ben oui, sans plus tarder qu'aussi que samedi, je vais aller voir Franck Dubosc. D'accord, alors on t'en a préparé trois impros ce soir. Ah. Alors la première est la suivante, j'ai taffé dessus. Hein. Tu es dans un... Alors on rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas très bien Manu, pour ceux qui connaissent malheureusement vont entendre toujours la même sérénade et toujours les mêmes textes. Manu est un professionnel du théâtre et surtout spécialisé dans l'impro. Oui. Vous en allez avoir la démonstration tout de suite, je vais donc lui imposer un thème, Manu. Oui. Tu es donc dans un restaurant. D'accord. Tu es seul à table, tu manges. Et malheureusement, la bouffe, alors que tu étais dans un grand restaurant, où tout le monde t'avait dit qu'on mangerait bien, la bouffe est dégueulasse et tu appelles un serveur pour te plaindre. D'accord? D'accord. Écoutez. Manu rentre en scène. Pardon. Ah, j'arrive, tout simplement. Oui. Pardon, qu'est-ce qu'on mange de bon? Non, on recommence. Ah. C'est que t'es pas au restaurant, t'es à table, t'es déjà au restaurant. Ah oui, d'accord. Tu viens de goûter ton plat, tu appelles un serveur pour te plaindre car c'est dégueulasse. D'accord. Alors que tu es dans un grand restaurant et que tu es très déçu. Donc on oublie, d'accord, t'as déjà commandé, t'as déjà l'assiette, tu viens de manger, tu viens te plaindre. Hein. D'accord. Ne fais pas plus Google que tu... Si je peux m'exprimer ainsi. Manu rentre en scène. Merde, qu'est-ce que c'est ce plat? Ah mais c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible. Qu'est-ce que c'est de bon? Ah mais c'est vraiment affreux.
Ah, des endives aux jambons. Mais vous savez très bien que j'aime pas les endives aux jambons, surtout que cuisiner dans un bois de conserve, j'ai horreur des bois de conserve. Moi, je fais toujours des choses frais, et c'est vraiment bon. Là, des bois de conserve, j'en ai horreur. Ça me rappelle petit, bon, encore petit, ça va, parce qu'il faut les goûter. Mais en plus, vous faites être dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ce restaurant? Je vais aller me plaindre au patron. Garçon, s'il vous plaît, appelez-moi le patron. Ah oui. Ben, je vous dis tout simplement que votre employé, qu'est-ce qu'il cuisine là? Oui, ben d'accord, ben de toute façon vous dites à vos employés, aux cuisiniers, qu'ils fassent bien la bouffe, parce que sinon je rentre plus au restaurant et puis terminé, hein, puisque si c'est comme ça, ben je m'en vais, allez. Parce qu'il n'y a pas de choses à vous supporter, hein, parce que c'est dégueulasse, c'est vraiment affreux, et je suis pas content du tout. Moi qui viens manger rarement, tous les jours je mange ailleurs, ça se passe très bien, et tandis que là c'est horrible. Qu'est-ce que c'est ce restaurant? Ah, c'est un restaurant chinois. Vous appelez ça des restaurants chinois? Eh ben, punaise, bravo, hein. Eh ben, pour ça, ben, je vais voir avec les gens qui sont autour de vous, et puis vous allez faire un procès verbal. Le gong vient de retentir. Bon, ben, Manu, 3 sur 20. Hein. Merci. Hein? Deuxième. C'était pas terrible, hein. Mais j'attendais, moi, je voulais que tu rentres tout de suite dans le sujet, que tu appelles le mec, t'es pas content, pas besoin de... Bon, bref, attention, un petit peu moins fort, les enfants. Deuxième improvisation de Manu. Autre situation, tu es dans un aéroport, d'accord? Oui. Et tu es un homme d'affaires. Et l'avion que tu dois prendre pour aller à Rome pour faire du business, malheureusement, est complet. D'accord? Mais il faut absolument que tu prennes cet avion. Donc tu es face à l'hôtesse, tu sais, au guichet pour avoir ce billet. Il faut absolument que tu essaies d'expliquer à l'hôtesse que tu es en face de toi, tout en essayant peut-être de la séduire, que tu es un homme d'affaires. Il faut absolument que tu prennes cet avion pour Rome, c'est extrêmement important. C'est une question peut-être de vie ou de mort dans le business, d'accord? D'accord. Attention. Oui, oui, oui. Manu rentre en scène. Pardon, excusez-moi, il faudrait que je prenne l'avion pour... Ah oui, aller voir l'homme d'affaires. Bon, c'est à tout prix, oui, je suis un homme d'affaires, je vous dis tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir l'hôtesse, parce que vraiment, je vais prendre l'avion, il faut à tout prix, je prenne cet avion pour aller à Rome. Parce que je suis le directeur de l'aéroport Air France. Le petit Manu est attendu à l'accueil, merci. Continue, toi! Ah oui, attends, je cours. Ouais. Ah, merci. Oui, je sais pas qui c'est, vous le devinez. Et puis donc, je dois à tout prix, parce que c'est vrai que je dois dîner avec... des amis. Tout de suite, on embarque pour Porto 5. Merci. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Mais à tout prix, vous devez attendre. À quelle heure il est le prochain départ? Oh putain, il faut que j'attende une heure. Départ du vol pour Rome, embarquement immédiat. Bon, je vais courir vite. Bagage, c'est bon. Bon, je vais y aller. Je commence. Ah, attends, je panique. Ah putain, mais j'ai rien oublié. Merde, mon portefeuille. Bon, je peux plus retourner. Ah mais c'est dingue, hein, ce que t'es bon, hein. Merci. 2,5 sur 20. Ouais, pas mal. Non, c'est bien. Aucun progrès. Dernière situation, Manu. Oui. Avant qu'on se quitte. D'accord. Et après, on aura Fred, une demoiselle qui fait du théâtre à Dax et apparemment qui a été très impressionnée, je pense, par ce que tu es en train de nous donner sur l'antenne, hein, ce côté affligeant. Imagine-toi, tu es seul, assis sur un banc. Oui. Et tu fais le point sur toi. Donc tu parles dans ta tête, mais tu parleras tout fort. Tu fais le point sur ta vie privée, sur ta vie professionnelle et sur ta vie amoureuse. Est-ce que tu en es capable? D'accord. Très bien. Réponds aux questions, ça fait plaisir. Donc je rappelle, tu es seul sur un banc. Imagine que tu parles tout fort et tu parles et tu fais le point donc sur ta vie privée, professionnelle et amoureuse. D'accord, pas de problème. Dernière impro de Manu. Manu rentre en scène. Ah, j'en ai marre. Oh ben punaise, oui ben j'en ai marre parce que j'en ai marre, puisque tout simplement ce qui se passe c'est que ça va pas dans la tête. J'ai eu l'injection le 7, donc... Mais là tu parles à personne, là tu parles tout seul. Hein. Oui, c'est ça. J'ai parlé à personne. Hein. D'accord. Ouais, donc le 7 février j'ai eu l'injection et puis donc je suis fatigué, je suis crevé. Bon heureusement que je pense à Max au Star System pour mes jeux d'impro parce que c'est intéressant.
Mais là, ouf, revenons à mardi 8. Ben, mardi 8, je suis allé au cours. Ah, c'est génial. Bon, c'était Sandy, ça va, les cours, ça va. Je sais qu'on va faire un spectacle début mai. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on ne sait pas les dates. Hein. Bon, ben, enfin, je vais réfléchir. Et puis, bien sûr, j'ai pensé, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire à Fidel, qu'est-ce que je vais dire à Manu. Ah, voilà. Donc, je crois que là, on a touché le fond. Je dirais un petit 1,5 sur, un petit 1,5 sur 20. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça, bah, c'est pas terrible. Bah, c'est pas terrible. C'est surtout pas terrible, ça vient surtout pas terrible de ta part, oui, c'est sûr, oui. Franchement, Manu. Tu sais, quand tu dois improviser, t'es seul assis sur un banc et tu fais le point sur toi, t'as l'impression que tu parlais à quelqu'un. Mais non, je parlais. Ben oui, quand je parle seul, je parle à quelqu'un, mais en fait, c'est. Je parlais seul, vraiment. Je parlais pas à quelqu'un. Hein. Décontracte-toi, écoute-moi ça. Ça va pas mieux là? Oui. Non, franchement, attends, tu nous as fait n'importe quoi. On a Fred avec nous, 18 ans de Dax, qui est une demoiselle. Bonsoir Fred. Bonsoir. Et donc t'as écouté ce qu'a fait Manu, tu fais toi-même du théâtre. Ouais. Et alors toi, tu penses pouvoir mieux faire? Ouais, je pense pouvoir. Situation, d'accord. Donc on est au restaurant, t'es dans un grand restaurant qu'on t'avait conseillé, tu dînes seul ou tu déjeunes, comme tu veux. Et au moment donné, la nourriture t'est arrivée devant toi, tu goûtes et tu t'aperçois que c'est pas très bon, même dégueulasse. Et à ce moment-là, tu viens te plaindre à un des serveurs, d'accord? Ok. Attention. Silence dans la salle. Le rideau se lève. Et Fred entre en scène. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, oui, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Oui. Écoutez, voilà, je viens de goûter, là. Je sais pas comment vous appelez ça, franchement, des riz de veau, poêlé, enfin bon, je sais pas du tout, hein. Mais c'est franchement ignoble, quoi. La crème fraîche, je vous ai mis la crème fraîche dedans, je sais pas, elle a un goût passé, mais tenez, goûtez. Goûtez, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Je suis désolée, je suis franchement outrée, quoi. Bon, par rapport au prix que je vais payer, je pense pas que ça vaille le coup. Donc, est-ce que je pourrais avoir affaire au directeur de l'établissement, s'il vous plaît? Bon, ben, je vous remercie. Oui, monsieur, oui. Voilà, ben, écoutez, je viens dans votre restaurant, j'ai réservé là depuis 2 mois. Bon, d'accord, vous avez du monde, je sais bien, bon, que ça tourne, ça marche, mais enfin, franchement, je sais pas comment. Je viens de goûter vos plats. Par rapport qualité-prix, je sais que manger au petit chinois du coin, c'est vraiment meilleur. Voilà, oui. Et je compte pas payer, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire, là? Je mangerai pas ça. Même ma grand-mère cuisine mieux. Et c'est pour dire. Oui. Oui. Non, 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 je compte pas manger ça, non, du tout. Du tout, voilà. Oui. Pas mal du tout. Pas mal du tout, effectivement. Ça fait combien de temps que tu fais du théâtre? Ben, j'en ai fait à peu près, ouais, 5-6 ans, ouais. Manu. Oui. Tu te rends compte un petit peu du fossé qui entre toi et elle, quand même? Ouais, mais j'étais fatigué, comme j'avais dit aussi. Ouais, ouais, c'est Manu, ça, ouais. Manu, assure pas trop, hein. Ouais, Manu, quand même, merde. Ouais, d'habitude, la semaine dernière, j'étais en forme et tout, et puis donc, là, j'ai eu mon injection, il n'y a pas très... On a sa vérité, en plus, hein. Oui, je te crois, ensuite, tu te fais injecter, effectivement. Dans ces cas-là, mollo, mollo, Manu, hein. Ouais. Ouais, il faut te reposer un petit peu. Arrêtez! Ils sont en train de se moquer de Frédéric. Non mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle est mon cœur. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Dax, la fréquence de Fun Radio, Dax, maintenant c'est devenu des feignasses, ils me mettent plus les fréquences. C'est quoi la fréquence de Dax? 95.3. 95. Parce que là où je suis, je capte pas vraiment, quoi. Je capte que quand il fait beau. Ah, il fait beau donc en ce moment? Ouais, enfin il pleuvine, mais bon, ça dépend du temps. Ah, c'est peut-être pour ça que t'entendais Manu un petit peu mal. Avec moi. Je sais pas si t'as écouté hier soir, moi aussi je me suis prêté à quelques petites impros. J'ai joué Amour, gloire et beauté. T'as pas fait attention, Manu, hier? Amour, ah oui, oui, oui. J'ai fait des impros, là. J'ai pas trop attention. Ah, c'est dommage. Tu n'écoutes pas bien mon émission. C'est pas attends, que je n'écoute pas bien, mais c'est parce qu'en fait, j'avais un petit problème avec mon téléphone, et voilà. D'accord, donc comme t'avais un problème de téléphone, tu ne pouvais pas écouter la radio. Comme demain, on a un problème de sèche-cheveux, on ne peut pas fermer la porte à clé. Si demain, bien entendu, vous avez un problème de micro-ondes, vous ne pourrez pas regarder la télévision. Si vous avez une lampe qui grille en allumant, bien entendu, vous ne pourrez pas prendre votre petit déjeuner dans votre bol bleu. Enfin, c'est normal. Tu me prends pour un con ou quoi? C'est parce que t'avais un problème de téléphone, tu pouvais pas écouter la radio?
Si, je pouvais écouter la radio, mais seulement donc j'ai pas trop bien suivi parce que j'avais le téléphone sur la ligne et puis monsieur peut pas comme ça écouter la radio quand il a le téléphone qui fonctionne pas. Ah bah tiens. Mais tu me prends vraiment pour un guignol ou quoi? Mais non. Non mais attends, tu me prends pour un con ou quoi, Manu? Mais non. Hein? Non. Attends, mais franchement. Eh les gars. Ouais. Non mais là, Fildar ou Manu. C'est une honte, c'est tout. Non, sans déconner, c'est pas sérieux, c'est pas cool. Mais non, j'ai... Non, mais sérieux, c'est vrai. Attends. Attends, je suis désolé. T'entends ce qu'il te dit, Max? Mais je comprends pas. Moi, attends, là, franchement, Manu, attends, va... Franchement, c'est pas cool, après ce qu'on a fait pour toi. Bah, ça va, non, je m'en veux pas, je m'excuse. Non, mais attends, moi, je suis attends, attendez, parce que c'est à moi de lui dire... Attends, Manu, on aime bien déconner. Oui. Mais moi, un mec que je laisse passer sur l'antenne régulièrement comme ça, qui vient déblatérer ses conneries comme tu le fais, à chanter tes merdes en karaoké, je pense que la moindre des choses, c'est d'écouter l'émission dans son intégralité et de pas, sous prétexte qu'il y a un téléphone qui ne fonctionne pas, de pas écouter l'émission. Ah ouais? Eh ouais. Ouais. C'est maintenant, maintenant tu t'en rends compte, tu es en train de réaliser, non mais putain. Ouais, mais ça va, je peux mettre le son, mais ça va, mais je vais pas te mettre trop fort parce que j'essaie de vous entendre justement pour pas que. Oui, non, mais on parle. Non, mais maintenant c'est trop tard. Bah ouais, mais on parle d'hier. Hier, je fais des impros exprès parce que je pense à toi et toi t'écoutes pas la radio sous prétexte que ton téléphone il fonctionne pas. Donc ça sert à quoi qu'on fasse de la radio pour vous? Ça sert à rien. Non, excuse-moi. Non, mais excuse-toi, c'est facile, c'est les mots ça, c'est facile de s'excuser. T'es marrant, toi. Excuse-moi, ouais. Non, cherche pas d'excuses, s'il te plaît, Manu. Ah, non, nous, on voulait... Tu vois, moi, j'ai même plus envie de faire des impros avec toi maintenant. Ah, mince. Dommage. Bah ouais, mais là, t'as abusé, quoi. Bon, allez, on peut te le dire, c'était... Ouais, putain. Ah, c'était une improvisation. En fin de compte, j'ai demandé à Manu et Fildar de se prêter au jeu. On t'a fait croire qu'on n'était pas content. C'est ça l'improvisation. T'as vu, on improvise bien aussi, hein? Eh oui, c'est ça, exactement. Flippé. Oui, je suis en train de faire caca. T'es partout dans mon ben. C'est génial. Ça a bien fonctionné, vos impros. Super, les gars. C'était une impro, là, hein? Oui, c'était un impro. À un moment donné, de toute façon, j'ai prêté à rigoler avec vous aussi. Oui, bien sûr. Rire, hein. Bah, évidemment. Puis c'est toujours une fois qu'on le sait, bien sûr, qu'on est là pour prêter pour rire. Vas-y, comment tu rigoles? Ah ouais, tu rigoles vraiment comme un n'importe quoi, toi, hein? Eh ouais. Eh oui, bah qu'est-ce que tu veux? Manu, on va faire quelques petites impros ensemble. Oui. Donc ce soir, comment ça se déroule? Tu as prévu quelques petits trucs? Ou alors c'est à nous de te proposer un thème ou une situation? Eh ben là, moi, donc, ça va pas être évident parce qu'on est en train de chercher des textes et de chercher des improvisations pour jouer au mois de mai. Donc je préfère mieux que ce soit vous qui cherchez de votre côté pour l'instant pour m'entraîner plus. D'accord. Exactement. On va accueillir Virginie qui va me donner un petit coup de main. Bonsoir Virginie. Virginie? Oui. Bonsoir Virginie. 21 ans, t'appelles d'où? De Paris 15e. De Paris 15e, très bien. Virginie, tu vas me donner un petit coup de main. On ne sera pas trop de deux. Donc Manu fait du théâtre en improvisation. On lui propose un thème, un sujet très précis. Et lui, tout autour de ça, pendant 30 à 40 secondes, il improvise. Ok. Est-ce que Virginie, tu veux éventuellement proposer un thème à Manu? Oui. Alors devant ton micro, hein, Virginie, avec nous, avec nous. Hein, vas-y. Super, merci Virginie qui apparemment aime l'improvisation. Ah non mais... Très... Pour l'instant je suis pas tellement inspirée. Bon, et pourtant c'est pas compliqué dans la vie de tous les jours. Par exemple Manu, tu vas chez un fleuriste. Oui. Parce que tu veux offrir un bouquet de roses, de 23 roses, c'est l'anniversaire d'une fille dont tu es amoureux. Qui a 23 ans aujourd'hui, donc on offre des roses au nombre de 23, tu vas en offrir 23 et tu demandes à la demoiselle si c'est possible d'avoir une réduction de 10 francs. D'accord. L'impro qui tue. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Alors pardon, excuse-moi. Et après les trois coups, c'est à toi. Pardon mademoiselle. Excusez-moi, est-ce que vous n'aurez pas des fleuristes au nombre de 23, s'il vous plaît? Des fleuristes au nombre de 23, ça c'est déjà bon ça. Ah oui, d'accord, oui, parce que c'est pour l'anniversaire de ma femme qui a justement 23 ans. Et par exemple aussi, est-ce que vous n'aurez pas une réduction de 10 francs? Comment?
Ah d'accord, d'accord, excuse-moi. Ouais, je suis un peu énervé parce que je suis un peu soufflé parce que c'est son anniversaire et je suis tout à fait content. Je suis tout à fait content. Ah, je vous remercie. Mais la rédaction alors ? Vous m'avez oublié ? Non ? Non, mais ça c'est mon papier, mais par contre la rédaction, vous m'avez oublié. Bravo, bravo. Qu'est-ce que t'en penses, Virginie ? C'est bien, ça peut aller. C'est pas oui. mal, sauf qu'au lieu d'une rédaction, généralement on dit plutôt une réduction. Mais non, mais comme tout à l'heure on a parlé avec un journaliste, un futur journaliste, c'est normal que t'étais un peu bloqué dans la rédaction. Moi je trouve ça pas mal. On va se faire une deuxième intro, puis après on va faire une pause. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer à notre ami Manu ? Tu te balades dans la rue tranquillement, d'accord ? Oui. T'es avec ta copine, donc éventuellement tu peux faire un dialogue avec ta copine. Et vers 10h30 du soir, sur le même trottoir, tu vois une mémé d'une cinquantaine d'années qui est en train de faire chier son chien sur le trottoir et qui en fout partout. Et toi, tu trouves ça dégueulasse qu'il ne fait pas ça dans le caniveau. D'accord. Attention. C'est que ça plaît les impros. Hein. Attention, deux. Ah, excuse-moi. Bon, on y va. Donc, on va se balader dans la... Tu veux venir, ma chérie ? Oui, ma biche. Mon bichou, pardon, excuse-moi, ma biche, c'est moi, je voulais t'appeler ma biche. Bon, on va aller dans la rue, bon, bref, bon, on en parlera ça plus en détail tout à l'heure. Bon, on va se promener dans la rue parce que il y a un concert de Zebda qui va passer dans la rue d'Aix, et donc, il faut faire attention parce qu'il y a du monde, hein. Bon, on y va. Bon. Mais tiens, tu vois pas quelque chose, hein? Oh putain, les chiens, bordel, qui pissent dans les canigous. Mais votre mémé, qu'est-ce que vous faites de vos chiens? Eh oui, mais ils pissent de partout. Vous trouvez ça normal? Eh ben écoute, oui, ben de toute façon, il y a un concert et puis justement, j'aimerais bien être tranquille, être niqué. Et puis vous, donc ma femme et moi, on aimerait bien avoir sentir propre, la bonne odeur et non pas dégueulasse avec votre chien. Et en plus, c'est interdit les passages. Normalement, il y a une colline exprès et puis donc, et en plus, dans la nuit, si ça vous plaît de vous amuser vos chiens, ben il n'y a pas de problème. Mais par contre, vous nous laissez tranquille. Voilà, on veut suivre le concert. Non, voilà, terminé. Ah dis donc, eh oh, ça cartonne, hein, Virginie, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, la deuxième était mieux que la première. C'est bah déjà que la première, la barre était haute, bah alors là, carrément, c'est limite la perfection, Manu, hein. Merci. Bon, on va te récupérer un petit peu plus tard dans la soirée, d'accord, Manu ? D'accord. Ok, puis on va continuer des petites impros comme ça, parce que t'as l'air d'être plutôt balèze. D'accord, excuse-moi pour tout à l'heure. Bah ouais, mais enfin quand même, merde, là t'abuses, quoi, je t'ai déjà dit, quoi, Manu. T'es d'accord ou pas ? Oui. T'as merdé sur ce coup-là, quoi. Ouais, j'ai merdé, mais bah ouais. Merdé plus. Bah ouais, quand même. Alors bon, allez Manu, tu bouges pas, on revient dans un instant. Avec toi, entre autres, on ira du côté du jeu des trois mots. Il y aura du Hélène, du Adrien, du David et du Guillaume. Et puis donc, on aura Virginie, 21 ans de Paris. On parlera de quoi, Virginie ? Bah déjà, il y a eu un malentendu hier soir. Pardon ? Il y a eu un malentendu hier soir. Il y a un malentendu hier soir ? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Pour le jeu des trois mots et après on aura Sabine. Hein. Le jeu des trois mots c'est bon, il n'y a plus besoin de personne, d'accord, c'est carré. Très bien, donc Manu, ce soir encore en impro-théâtre, je vais te proposer comme première situation, tu es un père de famille. D'accord. Tu rentres à la maison et tu annonces à ta femme malheureusement que tu viens de perdre ton emploi. D'accord. Les trois coups. Entrée en scène de Manu. Bonjour, ah, je suis rentré, ah, je prends ma clé, aïe, aïe, elle est pas là, ma femme, ah, si, chérie, ah, oui, qu'est-ce que tu veux, j'ai une nouvelle à t'annoncer, mais c'est une mauvaise, c'est très, vraiment une mauvaise, comment, c'est une mauvaise, alors c'est quoi, cette mauvaise, c'est que j'ai en train de perdre mon emploi, merde, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas, je vais essayer de chercher et puis donc je vais essayer de m'arranger et puis je vais essayer vraiment de chercher plus autre chose et puis donc je vais voir ce que je peux faire. Ah merde. Tu trouves pas ça drôle? Tu me dis par l'intelligence, tu m'engueules pas? Mais j'ai quoi? J'ai rien à te dire, je t'aime, c'est l'importance pour ta vie, même si on n'est pas marié depuis longtemps, même si on n'est que des bons amis, je dis ah bon, mais tu t'en fous. Bravo. En fait, ça va, je me débrouillais tout seul. Allez, bravo. Ciao. Oh, bravo. Ouais, je m'en vais. Allez, ciao. Voilà, c'est pas vrai cette carte.
Ah, bravo, quelle impro, hein. Merci. Alors, les auditeurs doivent se dire, mais est-ce que c'est long pour atteindre ce niveau? Bon, moi, personnellement, je dis non, hein, mais à mon avis, ça doit être long, Manu, hein. Ouais, oui. C'est combien d'heures de travail par... par jour? Ben on prend les cours de 2 heures. Il y a un 2 heures pour s'échauffer. 2 heures par jour pour atteindre ce niveau. Eh ben là, il faut 2 heures maximum de cours. Parce qu'il y a 1 heure pour s'échauffer et après il y a 1 heure pour qui est consacrée au texte et aux impros qu'on doit participer. Les cours de théâtre, c'est des théâtres de quoi? De cours de théâtre HP à Aix-en-Provence? Oui, oui, c'est un site de suite et c'est à Aix-en-Provence et c'est de l'improvisation. Alors je rappelle que HP, c'est hôtel particulier, hein. Oui, oui, oui. Alors, Manu, peut-être une deuxième impro. D'accord. On va rester dans le cadre famille. D'accord. Tu es à table. Oui. Avec tes 3 enfants et ta femme. Tout se passe bien, le dîner se passe correctement. Et d'un coup, tu décides de prendre la parole pour annoncer que tu veux divorcer et que tu veux prendre la garde des enfants avec ta femme. Tu nous fais donc à la fois le mari, la femme et les 3 enfants. Ça va. C'est possible? C'est possible. Je crains le pire. Les 3 coups. Manu entre en scène. Ah, chérie, je suis venu, je suis pas trop en retard? Non, non, bon, on est en train de souper. Ouais, chouette, qu'est-ce qu'on mange? Ah, je viens d'arriver. Ouais, qu'est-ce qu'on mange, chérie? Ben, on mange, comme tu vois, ce que tu aimes. Comme j'aime. C'est quoi mes plats préférés? Je sais pas, mais goûte. Je goûte. Ouais, c'est pas bon, c'est du foie. Pour de bon, vous m'avez fait ce coup? Pour de bon? Non, c'est vrai, je déteste ça. Alors, les abats, j'ai horreur de ça, à part les tripes. Mais c'est vrai que... Bon, ma chérie, je vais te dire une chose. Non, c'est quoi? Non, les enfants, je vous dirai ça plus tard. Allez dans votre chambre, je vous informerai tout à l'heure. Alors, c'est que je prends la garde des enfants et je divorce. Pour de bon, tu veux divorcer? Et je prends la garde des enfants, je te le dis. Ah non, pas question de prendre la garde des enfants. Si, je prends la garde des enfants parce que c'est bien occupé. Et puis donc, je préfère mieux m'en occuper que toi. Toi, tu es bon à rien. Tu ne vaux rien du tout. Tu n'es même pas capable de lire et écrire. Et justement, tu veux prendre les enfants. Eh bien, dis donc, moi, je préfère mieux m'en occuper. Comme ça, au moins, je les garde et au moins, ils seront bien en sécurité. Ben, fais ce que tu veux. Moi, je m'en vais. Mais tant mieux. Bon débarras, on va à la mairie et on va divorcer. Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. C'est quoi? C'est que je vous aime et puis vous allez venir avec moi. Mais sauf qu'on va rester célibataire parce que je vais pas trouver d'autre couple pour votre maman. Donc, vous vous arrangez avec votre maman plus tard. Mais moi, vous restez avec moi et puis donc, je vous occuperai bien. D'accord, mes enfants chéris? Ok. Ça va. Dire quel talent, bravo encore Manu, bravo. On en réclame, hein. Tu sais que cette rubrique est énorme, hein. Ah oui. Ah là là, là 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 là, c'est qu'il doit y avoir des Werber, tous ces gens-là, tous les grands du théâtre, là en ce moment, ils doivent écouter la radio. Quoi Werber, Bernard? Werber de Tomaso. C'est que comme ce Werber qui va t'écouter. Max, vite fait. Oui, il y a Balou. Est-ce que tu connais le groupe Oiseau? Ben, ça n'a rien à voir avec le théâtre, mais c'est la musique. Et ils font la chanson breton parce que quand j'ai Attends, excuse-moi, il y a la ligne directe qui sonne. Quand j'ai découvert Manu. Oui. Apparemment, il y a Jacques Balutin qui vous. Ah, excuse-moi. Non, sérieux, vite fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Manu? C'est quand j'ai mis tout ça à Filda, il m'a dit que c'était de la merde. C'est quoi? Oiseau, je chantais la manivelle, puis il y a une chanson qui s'appelle Viens Mezzanou, je sais pas quoi là. Bah, c'est de la merde. Chanson de cet album. Je te le confirme, c'est de la merde. Hein. Moi, j'ai écouté parce que Filda m'a dit que c'était de la merde, mais moi, j'ai un bon truc, c'est un très bon truc. Bah ouais, mais moi, je te dis que c'est de la merde aussi, quoi. Bon, ben, c'est pas grave. Bah, c'est pas grave, tu nous en veux chacun pas. Chacun a ses couleurs. Voilà, chacun a ses couleurs de merde. Et ses goûts. Exactement. C'est tout, bon. Manu, on te retrouve demain peut-être à la même heure. Donc, ce soir, Marianne, Philippe également et Jean-Pierre, vous êtes là tous les trois. Hein. Jean-Pierre, t'es là? Non, pardon. Alors, Jean-Pierre et Philippe, j'aimerais bien les avoir en plus. Il marche dans la rue et puis il s'est agressé.
Disons que t'as deux jeunes. Accosté par une fille. D'accord, ok. Il y a une fille qui te. Non, on va faire autre chose. Il faut que ce soit Manu qui ait le rôle principal. Donc Manu, t'accostes une fille. Il y a une fille que tu croises dans la rue. Et puis t'as un coup de foudre pour elle. Et puis carrément, tu vas aller quelque part, mais d'une manière très amicale, l'agresser verbalement pour lui proposer de boire un verre ou en tout cas de dîner avec elle parce que t'as eu un coup de foudre. D'accord, Manu? D'accord. Attention, écoutez. C'est énorme. Attention, c'est énorme. Le rideau se lève. Manu rentre en scène. Bon, MF, bon, je vais pas te dire autre chose. Bon, je vais aller marcher dans la rue. Bon, qu'est-ce que je vais penser? Ah, vous voulez quelque chose? Je suis perdu. Ok, le nom. Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez mon portefeuille? Mais non, mais je vous demande... Non, Manu. On recommence. Tu te fais pas agresser. Imagine que t'es sur un trottoir, tu marches seul, d'accord? Oui. Tu marches et tu croises une fille. D'accord. Qui, elle, va dans le sens contraire de ta marche. Mmh. Et tu la regardes comme vous êtes croisés dans les yeux, t'as eu un coup de foudre pour elle. Et donc tu reviens en arrière, tu dis excusez-moi mademoiselle. Et là, tu lui dis que t'as eu un coup de foudre et que t'as envie de lui offrir un verre ou à dîner. D'accord, excusez-moi. Bonsoir, acte 2. On recommence, Gronigo. Je te mets quelques bruitages en plus. Hein. D'accord. Attention, Manu rentre en scène. C'est parti, hein, Manu. Hein. Ouais, j'arrive. Aïe, aïe. Ah, je vais essayer de m'installer. Ah, c'est génial. Hein. La vie est belle. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais qu'est-ce que... Je regarde fixe, parce que je vous aime, je suis à folie. Mais je vous veux pas, moi. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le lourd. Mais je vous veux pas. Cassez-vous de là, vous n'avez rien à faire. Vous voulez un pot? Ben moi, je vous dis tout simplement que c'est pas la peine de compter sur moi, je vous offre rien du tout. Mais je vous ai rien demandé, je vous regardais fixement, vous êtes belle et tout. Je m'en fous. Je veux pas savoir ce que vous faites, mais moi, je vous dis tout simplement que cassez-vous de là et avant qu'il arrive quelque chose. Bon, ça va, je vais pas me faire agresser, je m'en vais. Allez, ciao. Bravo. Oh là 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 là. Marianne, surtout, tu ne t'obliges pas à applaudir, Jean-Pierre non plus, et Philippe encore moins, surtout. Bravo, d'accord. Surtout, vous n'applaudissez pas, hein, franchement. Excuse-moi. D'accord. Deuxième impro pour ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer? Est-ce que quelqu'un a une situation à lui offrir? Différente vraiment de celle-ci, hein. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, ouais, merci Marianne. C'est bien, toujours, c'est bien Marianne, pour quelqu'un qui veut faire du théâtre, de ne pas être capable d'improviser comme ça. Ouais, mais moi j'ai proposé la première alors. Bah, t'as proposé un. Proposé ça, t'as proposé. Juste la première. Bon, alors. J'en ai une. Vas-y. Il est chez le coiffeur, il se fait complètement rater. Et tu gueules, t'es pas content. Voilà. D'accord? D'accord. Alors, ok, d'accord. Est-ce que tu aurais besoin... Est-ce qu'on a des bruitages de coiffeurs ou trucs comme ça? Ouais. Ciseaux? On a ciseaux. Ouais, on doit avoir. D'accord, ciseaux avec un S ou avec un C, Manu? Dans quoi tu m'as dit ça? Justement, à mon avis, ça doit être avec un C. T'es sûr avec un C? Non, allez, Banco. Allez, on y va pour Banco. Attendez, je regarde. Non, ça doit être un S. Chasse d'eau, chagrin, ouais. Castagnette. Non, ça doit être un S. Hein? Ça doit être un S. Ah bon, d'accord. Ah, okay. Oui, quand même. Ah, d'accord. Ouais. Non, mais attends, je sais. Non, mais oui, je sais bien. Alors, sonnette, machin, Ah, pardon, excuse-moi les coups de. S'il a pas ça, Manu, il est perdu. Hein. Et puis, il y a le shampoing, bon, quand même. Ouais, mais ça, c'est fini. La coupe est terminée, ouais. Là, parce que sinon. Attention, Manu, 30-31, il est donc dans un salon de coiffure, il n'est pas content de sa coupe. Ah, bon. Je vais prendre rendez-vous. Non. C'est fini, t'as pris rendez-vous, la coupe est terminée, la coupe est foirée, donc t'es pas content. Hein. Ah, putain, mais vous m'avez raté. Vous m'avez vraiment raté. Un peu de tondeuse, là. Mais c'est complètement raté. Ah, moi, je suis pas vraiment content, hein. Je vous déteste. Qu'est-ce que c'est ce coiffeur qui me coiffe mal? Moi, je vous trouverai mieux. Ben, je vais au premier abord, au moins, il me coiffe bien. Parce que c'est vrai que là, c'est un super sympa. Vous m'avez complètement raté. Un coup, vous me faites long, un coup, vous me faites court. Là, vous m'avez fait...
carrément punk, que je n'ai pas envie de, d'être punk. Vous me faites tout simplement aussi mal avoir mon crâne. C'est incorrect. Ah, je suis ridicule. Merde, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu me donnes des conseils, Françoise? Je sais pas faire. Eh ouais, mais je sais pas faire, mais je vais attendre un long moment. Putain, j'ai raté. Mais que, tu peux pas me donner des conseils? Ben, laisse ce que tu veux. Oui, je vais faire comme toi, ma vie. D'accord. Ah, là, merci. Quel talent! Oh là 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 là! Oh, ça frise de ridicule! Ça frise! Oh là là là, c'est pour faire un petit jeu de mots sur le salon de coiffure, hein, ça frise de ridicule. D'accord, très bien. Bon, bah apparemment, Manu, plus pas celui-là. C'était Soldat Louis avec Martiniquez, voilà. Donc, rien de plus pour eux, même s'ils ont enregistré leur dernier album, il n'y a pas un petit peu de ça. Eh ben, on lui souhaite bonne chance. Voilà, tout de suite, enchaîné à Toltok. Voilà, un petit erreur au début, mais c'est pas grave. Ça va s'écouter Sandra avec One More Night. Et ensuite, on écoutera Toltok avec Is My Life. C'est parti! Donc ça, c'est Manu d'Aix-en-Provence. Mais Manu d'Aix-en-Provence, maintenant, a décidé bon, de rester dans le milieu artistique, puisqu'il est parti de la radio, plus ou moins. En tout cas, on a plus de cassettes de ses émissions, pour se lancer également dans une nouvelle aventure complètement périlleuse, à savoir le théâtre et le théâtre d'improvisation aussi par moment. Bonsoir, Manu. Bonsoir, Max. Bonsoir, toute l'équipe. Ah bah voilà, au moins, ça fait plaisir. Toi, quand je te parle, tu me réponds. Eh oui, bien sûr. Bah, tu percutes, ça fait plaisir. Parce que là, on a eu Greg de Carcassonne et Anne-Véronique. Mon Dieu, que c'est pas facile. On va les récupérer juste après pour quand même. Mais ils savent pas rigoler. Ah non, ils savent pas rigoler. Et tu vois, il faut. Question-réponse, question-réponse. Eh oui. Par exemple, un truc tout con. Ça va, connard? Ça va. Tu vois, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je veux dire. Hein? Ah oui, bien sûr. Voilà, bon, voilà. Bon, Manu d'Aix-en-Provence. Oui, 103.1. 103.1 FM, bien sûr, pour nous écouter à Aix-en-Provence. Oui. Mon petit Manu, bien sûr, du théâtre, de l'improvisation dans tous les sens. On n'a pas récupéré la feuille, Phil, on ne sait plus où elle est, si. La feuille 2? Tu sais, tu avais noté des impros, je ne sais plus quoi, il y avait une papier d'impro, mais c'est pas grave, on va improviser totalement. Alors, on avait des situations qu'on t'avait préparées, mais c'est pas grave, mon petit Manu, puisque tu es le roi de l'improvisation et du théâtre, hein, théâtre de rue, on peut le dire carrément comme théâtre ça. De suite, voilà. Pardon? Théâtre ainsi de suite. Théâtre ainsi de suite ou théâtre de rue, hein, je veux dire. Alors Manu, on va essayer de te trouver deux, trois situations. La première, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah bah tiens, justement, parce que ce soir, il y a du football, là, Manu. Oui. Tu proposes à ta femme, il y a un programme télé ce soir, il y a un match de foot que tu veux absolument pas rater. Oui. Et elle veut regarder, elle veut absolument passer une soirée seule à seule avec toi, sans la télévision. D'accord. Et t'essayes d'expliquer à ta femme, donc tu sais d'avance que ta femme ne va pas vouloir que tu regardes ce film, que tu regardes ce match, et toi tu expliques à ta femme gentiment que ce soir il faut absolument que tu vois ce match, c'est très important, et que cette soirée que vous deviez passer en tête à tête tous les deux, bah, vous remettrez ça une autre fois. D'accord ? D'accord. Attention, c'est parti. Manu entre en scène. Coucou chérie, je suis là. Ah oui, ben je sais pas quoi, je vais regarder. Ben il y a un match ce soir, c'est un match très important entre OM PSG. À mon avis, les Marseillais vont gagner, en plus c'est important. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Qu'est-ce que tu dis que tu veux pas regarder? Mais le rendez-vous, on pourra faire l'autre fois. Le vendredi, on ira au karaoké, je t'ai toujours emmené au karaoké, tu sais. Vendredi, samedi, on pourra faire autre chose. Et puis la Saint-Valentin, c'était hier, j'ai bien profité. Donc c'est pour ça que ce soir, c'est un match très important, c'est OM PSG. J'espère que j'ai Canal Plus et j'espère que tu vas pas me trahir. Parce que dans le principe, j'ai acheté le décodeur pour ça. Donc c'est parti, donc tu veux pas me faire rater. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais je m'en fous du match. Tu t'en fous du match? Mais non, mais moi c'est un match très important, on est en bas du classement l'OM. Et donc, en plus, comme on dit dans les karaokés, on dit Paris, Paris, en ton cul, Bordeaux, Bordeaux, la même chose, vive l'OM. Et tu veux pas me croire? Ben tant pis, bon ben si c'est comme ça, j'ai regardé le match en ville, tant pis. Allez, ben je te laisse seul, voilà, ciao. Oh là là, bravo. Sauf que j'attendais pas toutes ces insultes que tu pouvais sortir sur Paris, qui doit faire plaisir effectivement à tous les gens du Sud. Donc bravo Manu, hein. Non, je rigole. Oui, bien sûr, mais moi aussi je t'encule. Hein, moi aussi Manu, mais alors profond, hein.
Et à sec avec des gravillons. Non, mais soyons sérieux, Manu. C'est pas mal, première impro. C'est, faut que tu rentres un peu plus dans les détails. T'es pas obligé de citer les t'es pas obligé. Allô. Oui, allô. Manu, t'es pas obligé de citer les. Enfin bon, là, c'est fait maintenant, c'est trop tard. Mais c'est les équipes et tout ça. C'est surtout la situation en elle-même qui est intéressante. Hein. D'accord. D'accord. Deuxième situation. Qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir comme deuxième situation? Alors, par exemple. On a déjà fait l'entretien d'embauche. Ah, l'entretien d'embauche. Tiens, très bonne. Ouais, tiens, c'est bien joué, Noémie. Alors, l'entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on le fait? On le fait. C'est ton premier boulot. Voilà. Il y a ton. Le mec que tu as en face de toi est très intéressé par ton CV, Manu. Oui. Ce qui peut paraître très surprenant parce qu'il doit être quand même relativement vierge. Oui. Tout à fait. Et pourtant, dans tes yeux qui brillent, Manu, il a senti qu'il se passait quelque chose et que tu pourrais correspondre à la personne pour ce fameux job. Donc, Manu, tu te vends. Tu es devant ton futur patron peut-être et il te demande pourquoi vous avez envie de ce boulot. D'accord ? D'accord. Sans savoir le boulot que c'est, on s'en fout, hein. On n'a pas besoin de donner la profession, attention. Ta mère, elle va jumper ! Pardon, excuse-moi, c'est pas du tout ça. Manu rentre en scène. Excuse-moi, ouais, j'arrive tout de suite. Ah, c'est mon premier boulot, c'est génial. Ah oui, est-ce que je pourrais parler au patron parce que j'ai envoyé un CV quelconque. Non mais Manu. Oui. T'es dans le bureau du patron. Oui. T'es en face de lui. D'accord. T'as déjà eu un entretien d'embauche, ça s'est super bien passé, donc il voudrait te revoir une deuxième fois. Et cette fois-ci, il te pose la question, pourquoi vous voulez ce travail? D'accord. Vas-y. Excuse-moi patron, oui, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Excuse-moi, oui. Je voudrais savoir pourquoi je fais ce travail. Mais non ! Mais non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais non, putain, mais tu comprends rien ! Ah, putain, attends, oh là 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 ! Allô, McFly, allô, il y a quelqu'un là-dedans ? Il y a quelque chose dans le crâne ou pas, là ? Qu'est-ce qui t'arrive, Manu ? Non, rien. Ah bon, rien, d'accord, rien, ok, j'étais inquiet. Alors on recommence, Manu, comprends bien. T'es dans le bureau. Oui. Il y a un bureau, tu vois, c'est un bureau, c'est un truc, tu vois, en bois. Ah, oui. Oui, ben moi je veux faire ce boulot parce que c'est vrai que, donc c'est intéressant, oui. Et puis en plus, tout simplement, j'ai pas envie de faire un autre boulot parce que je suis employé déjà. Et que tout simplement, j'aimerais bien parler au futur patron. Oui, c'est moi. Oui. Et ben tout simplement, voilà, j'aimerais bien faire ce boulot parce que je suis au milieu du théâtre, c'est mon métier. Et que tout simplement, bon, même si c'est pas grand-chose, j'ai envie de le garder. Et puis, si c'est un autre, j'ai peur que ce soit trop difficile pour moi. Voilà. Alors. Ah, pardon, c'est fini, bravo. Ah non, mais bravo. Non, mais Manu, ouais. C'est tellement bien qu'on est dedans. Moi, je ferme les yeux, j'ai l'impression ouais, d'y être. Non, c'est vraiment là, très bien joué. J'ai du mal à comprendre parce que c'est vrai que je venais faire du théâtre. Bah oui. Vas-y. Alors. Enfin, une petite impro, que tu nous dises un peu les textes que tu es en train de travailler en ce moment. Parce qu'après, on va réécrire Greg de Carcassonne. On a plein de choses à faire là. On va se speeder. D'accord. Oui. Ah, je voudrais. Oui, salut grand-mère. Ah, je suis content de te revoir. Moi aussi, mon enfant. Tiens, je te donne quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce livre, toi? Non, maman, c'est rien. Ah, mais tu m'arraches? Non, mais écoute, tu verras avec ta grand-mère. Ah, super. Ben, je vais te le donner. Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup, Manu. Bravo. Merci, c'est très joli. En tout cas, ça donne envie d'aller te voir sur scène. Hein. Oui, alors déjà, je vous donne les dates. Oui, alors il y a une tournée qui se prépare pour Manu. Il n'y a pas de problème. Mais de qualité. Ah ouais, ouais, pas de la caca, clair, hein. Pas de la caca, pas de la caca compile. Hein. D'accord, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, c'est de la bonne. Hein. Ok, ça marche. Ok, bonne bourre. Ciao, merci. Emmanuel est avec nous, 25 ans, et elle est bien sûr de Bordeaux, je le dis depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Par exemple, t'es dans un bus. Oui. Il y a une personne âgée qui rentre dans le bus. Et bien sûr, toutes les places sont prises, et à côté de toi, t'es debout aussi, mais il y a un jeune qui est assis, et tu demandes au jeune de se lever pour laisser la place à la personne âgée. D'accord. Et lui veut pas, et donc tu lui expliques pourquoi il faut qu'il laisse sa place à la personne âgée. D'accord. On y va, attention, Manu rentre en scène. Ouh, ça y est, je vais payer. Ah oui, pardon, oui, oui. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'adore, c'est les intros. Ah oui, oui, mais il faut laisser la place âgée, oui, bah, vous avez pris ma place, là.
Mais en plus, vous êtes jeune, vous allez debout, parce qu'en plus, moi, je suis très vieux, je suis âgé, et donc ça passe pour les personnes âgées. Et moi, il faut respecter ce qu'il faut respecter. Alors, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Quoi ? Je vais m'énerver, attention. Ah oui, c'est pas la peine de respecter. Laisse-moi la place. Sinon, je vais dire au tribunal. Quoi ? Ouais, le chauffeur est au courant. Mais tiens, il y a le contrôleur, tiens, parce que c'est vrai que le tribunal, bon, ça n'a rien à voir. Oh là là. Oui. Bon, d'accord, je me casse, allez, tiens, si c'est comme ça. Oh là là, bravo, mais quelle nullité, mais bravo ! Ah, t'as pas bougé d'un iota, hein ? T'es tout seul. Ah, putain, il y a toujours zéro au niveau du talent, mais c'est néant, c'est fort, hein ? Oui. T'es content ? Ah ouais, je suis très content. Ah putain, vraiment, à chier, quoi, d'enfer. Ouais, mais j'aime bien, mais c'est ça d'être comique, hein, vraiment, bidon côte total, c'est génial. Notre ami Manu sur Radio Zanzine, intervention fabuleuse. C'est le son cassette, hein, c'est pour ça qu'il y a du souffle, hein, c'est pas nous. Hein. Putain, le blanc. C'était donc... Attends, excuse-moi. Thomas, je sais pas, mais si moi je fais ça demain, je pense que je suis mort. Manu, ouais. Tu sais, le disque, quand il est fini, tu peux y aller, hein. D'accord. Parce qu'on réécoute quand même ce que t'as fait, maintenant qu'on comprend mieux. Écoutez bien la fin du disque et le blanc, on va chronométrer quand même. Hein. Donc là, tu dois attaquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était donc Neg Marron par le chanteur Chris Combet, chanteur guyanais. Voilà. Maintenant, donc je sais que je voudrais faire un hommage à tous les enfants malheureux qui souffrent dans certains centres, donc, que ce soit dans la région ou nationale, en France ou dans le monde. C'est pour ça que j'ai pensé à Jacques Higelin, qu'on va écouter tout de suite, La Croisade des Enfants. Si vous voulez m'écrire, c'est Manu, Succès Show, Radio Zinzine, ça, c'est sympa, 11 les gars. Rue de Jouques, 13100 Aix-en-Provence, ou bien téléphoner au 04 42 21 11 22. Ça, c'est bon, ça fait de la pub. C'était Jacques Higelin. Et ensuite, après, on mettra un générique de fin. Alors, voilà, c'est parti. Non, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Thomas ? Ouais, franchement, c'est bien, ouais. Ouais. C'était donc... Ouais, tranquille, hein, quand même. Hein. Tranquille, toi. Hein. Tu sais quoi, Manu ? Oui. Tu cartonnes. Grave. Non mais c'est vrai, tu cartonnes, Manu. Manu, à la semaine prochaine, on rappelle que tes émissions, c'est enregistré. Oui. Et que c'est donc tous les mercredis, de quelle heure à quelle heure ? Ah bah, mon émission, c'est le lundi, mais par contre, à Fun, c'est le mercredi, ouais. Voilà. Donc il y a l'émission le lundi, puis et l'émission le mercredi sur Fun, et le lundi, c'est donc sur Radio Zanzine à Aix-en-Provence, et la fréquence, c'est quoi, Manu ? 88.1 à 22h. Voilà, c'est très sympa, et donc le mercredi, on fait un petit compte-rendu, mais bon, c'est pas toi qui nous envoie les cassettes, c'est un auditeur qu'on connaît bien d'Aix-en-Provence qui nous envoie les cassettes. Et tu es également animateur de Radio Zanzine. Voilà, Radio Zanzine avec les cigales qui chantent. Et donc tu nous envoies pas, mais un auditeur nous envoie régulièrement tes émissions. Mais c'est pas moi qui les envoie, mais c'est un auditeur. Ouais, voilà, et à chaque fois, on demande quand même à t'avoir à l'antenne, et nous suivons ta progression en ce qui concerne ton animation. Bon, tu nous as envoyé 4-5 émissions, on peut dire que pour l'instant, c'était normal, ça stagnait, il n'y avait aucune progression. Et d'après Fildar, qui s'est occupé de récupérer quelques extraits de ton émission, apparemment, il y aurait une sorte d'embryon de progrès, et c'est ce que nous allons vérifier tout de suite avec ton speak d'introduction, de l'émission de la semaine dernière. D'accord. Déjà, il y a du bon son. Bien, bonsoir, vous êtes à l'écoute sur Radio Zanzine en ce lundi 13 décembre 1999. Et là, c'est oui, comme vous savez, c'est la dernière émission, mais de l'année. Et oui, puisqu'on se retrouvera une surprise donc l'année prochaine. Mais pendant ce temps, il y aura beaucoup de petites surprises et puis je vous informerai tout ce qui va se passer ce soir. Mais tout d'abord, on va s'écouter Françoise Hardy enchaînée à Edith Piaf. Donc Françoise Hardy, on va s'écouter un inclus donc qui s'appelle Je suis moi, et Edith Piaf va s'écouter L'homme à la moto en concert 1955-1957. C'est parti. Ah, t'as la patate. Bah, il vaut mieux remarquer avoir la pêche avant d'envoyer un truc comme ça, hein. Pas mal. Donc moi je dis bien. Il y a du progrès. Merci. Il n'y a pas trop de fautes dans le et là. Tu confonds pas trop le masculin et le féminin. T'as fait 2-3 erreurs de masculin-féminin. Deuxième intervention de Manu, j'imagine que ça va juste après Edith Piaf, alors. Évidemment. C'était Edith Piaf. Ah, on va se le remettre parce qu'apparemment t'as été surpris par les applaudissements, hein. On va réécouter ce grand moment, écouter au ralenti.
C'était Edith Piaf. On va le réécouter parce qu'apparemment ça fait rire la galerie. Alors attention, on se le réécoute. Hein. C'était Edith Piaf. C'était Edith Piaf avec l'homme à la moto. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et donc maintenant, on va s'écouter une découverte. Donc, je vous dirai des informations pour chaque. Donc, ça, je vous dirai. On va s'écouter Xavier Jouvelet. C'est un découverte d'Enzine. On va s'écouter l'indigène. Et donc, voilà. Alors, on va l'écouter un peu. Apparemment, Fidlar a laissé un petit peu de musique. Bon, ça, c'est une découverte zinzine, c'est ça? Oui, oui. Ça s'appelle Xavier Jolivet. Ouais, c'est pas mal. Ah, dis donc, t'es éclectique aussi, toi, au niveau de la prog, hein? Eh oui. Alors attention, troisième intervention de Manu lors de son émission de la semaine dernière qui s'appelle comment? Succès chaud. Succès chaud. De cette semaine? Ah oui, carrément, putain. Ah bah d'accord, ok, bah oui, mais tu ne me dis rien, tu. Attention. Vous venez d'écouter Xavier Jouvelet avec l'indigène. Et puis dans le prochain, on va écouter Julien Baer avec Le Monde s'écroule. Maintenant, je vous dis tout simplement les albums événements, bien sûr. C'est l'album de François Feldman qui arrive en mai 2000. Ça, je n'en ai parlé il y a pas longtemps. Ah ouais, t'en as parlé longtemps. Avec pour la fin de l'année 2000 et début de l'année 2001, un duo entre Feldman et Goldman, dont la chanson sera écrite par et composée par Jean-Jacques Goldman. Et puis d'autres informations, bien sûr, c'est mardi 21 décembre 1999. Qu'est-ce qu'il va y avoir? À partir de 18h, ouais. Ou 17h30, comme vous voulez, ouais. C'est au 3 Bicef. Donc, c'est, je vais faire DJ. Ça, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Génial. Et donc, pour tous vos renseignements, oui. Eh ben, ça s'appelle le bal du 21. Eh ben, tout simplement, vous contactez au 3 Bicef au 04 42 16 17 75 avant le 15 décembre. Avant aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on va écouter tout de suite Julien Baer. Donc, t'es en concert, t'es DJ. Pour ceux de la région qui veulent rencontrer Manu d'Aix-en-Provence, t'es où exactement? Au 3 Bicef. Mardi 21 décembre. Voilà, à 18h. C'est le même soir où on fera une soirée exclusivement réservée. D'ailleurs, j'en profite, puisque mardi 21 décembre, on fait une soirée de 22h à minuit exclusivement réservée aux extraterrestres, à l'univers, les étoiles, l'espace. Et normalement, devraient être invités lors de cette soirée les deux frères jumeaux, Igor et Grishka Bogdanov. Ah, de temps X, voilà, qui seront là. Il pourra pas être là, Manu. Manu pourra pas être là, malheureusement. C'est con, un extraterrestre. Bah ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais on aura peut-être Jean-Pierre Sauzer à cette occasion. Ah ouais, oui. Ah. Grand bonjour à Jean-Pierre Sauzer. Ah, qui nous écoute probablement ce soir. Et qui... Ainsi que DJ Maxime. Et évidemment, qu'on aura ce soir dans la soirée également, bien sûr. Alors on continue avec une quatrième intervention que tu nous as offerte, bien sûr, dans ton émission de cette semaine, Radio Zanzine. Manu. Vous venez d'écouter Julien Baer avec Le Monde s'écroule. Voilà, hein, donc voilà. Si vous voulez m'écrire, donc je vais en profiter avant l'adresse. De m'écouter M et motivé. Eh bien, tout simplement, c'est Succès Chaud, Manu, Radio Zinzine, 11 rue de Joux, 13100 Aix-en-Provence, ou téléphoner comme certains auditeurs qui l'ont fait. Notez-le tous, hein. 04 42 21 11 22. Voilà. On va s'écouter maintenant, donc. M d'abord, M, avec une chanson reprise des Cure. Et si vous ne connaissez pas qui c'est M, c'est le fils de Louis Chédid. Donc on va s'écouter tout de suite Close to Me. Bien. Et après il y a la reprise effectivement, donc ça c'est une reprise. Dernière intervention qu'on a sélectionnée pour vous, donc de toujours Manu Radio Zanzine. Ah là il y a du blanc là, j'ai fait... Ouais, là ça commence à craindre un peu là. Ah oui, là il y a du blanc, oui.
Un petit peu, oui, un petit peu de blanc. Vous allez écouter donc M avec Close to Me. Bien. Ben maintenant, je voudrais faire un dédicace à tout le monde, ben, parce qu'il y a la participation de Zebda et compagnie, parce que donc motivé, donc ben, c'est motivé. Et donc, j'avais attendu aussi dans un interview au 3 Bicef l'année dernière. Oui. Et donc, aussi, je l'avais entendu aussi quelques débuts d'année de ça, dans mon émission, donc entre les cercles des politologues amateurs, à enchaîner à mon émission, et bien c'est pour tout de suite. On va s'écouter motivé. Bien. Bah tu nous fais toujours autant de blanc entre les disques, toi, hein, mon salaud. Hein? Eh ouais, bah, progresser mieux pour ça. Non mais ça commence à aller mieux déjà. C'est plus rapide, c'est plus vif. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de progression par rapport à il y a un mois et demi, mais il y a quand même. Il se passe quelque chose, hein. Il se passe quelque chose, une sorte de métamorphose, à mon avis, l'an 2000, c'est pour toi. Hein. Merci. Ah oui, ça va donner, à mon avis, pour l'an 2000, c'est tout bon. Hein. Bon, Manu... Je peux passer un petit bonjour avant de se quitter ? Évidemment. Alors, je voudrais dire un petit bonjour à tous ceux qui m'écoutent, en particulier à Isabelle, qui recherche du travail, d'après ce qu'elle m'a dit, d'accord, pour les vacances. D'accord. Voilà. Tu nous redonnes, bien sûr. Tu redonnes l'adresse de Radio Zinzine ? Alors, c'est Radio Zinzine, Succès Show, Manu, David même, Manu David, D-A-V-Y, 11 rue de Jouques, 13 100. Voilà, bonsoir à tout le monde, et puis je suis ravi d'être avec vous ce soir, comme une fois de plus, et beaucoup de surprises, avec deux lives au début et une à la fin, donc je vous dirai tout. On va commencer tout de suite avec Indochine, ben justement, ça fait partie du live, avec Kao Bank, et c'est l'année 1983. Voilà, c'est bon ? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, belle intro en tout cas. Hein. Ouais. D'ailleurs on va la refaire, hein. Nous on va la faire, on va te faire entendre... ton style, parce que c'est vrai, on va te renvoyer un peu ton image. Un peu comme si tu te regardais dans une glace. D'accord. Alors écoute-toi, d'accord ? D'accord. Alors moi je parle, moi je fais l'animateur, Emmanuel Fildard, donc c'est David. Il y a deux David, hein, d'accord ? Bon, attention les gars, vous êtes prêts ? Alors attention. Bon, et bien, bonsoir d'abord, bonsoir à tous, c'est Mas sur Radio Zanzim, j'espère que ça va. En ce lundi 8 novembre 99, j'espère que tout va bien pour vous. La musique française, peu importe l'heure, si on démarre à 21h30 ou 22h, c'est de toute façon masque derrière Radio Zanzim. Avec bien sûr mon équipe au complet qui ont travaillé brûle pour point sur cette émission. Filda, bonsoir. Et puis également Manu. Mais je voudrais écouter un peu le morceau de David tout à l'heure. Alors bon, on y va. Fildar, on commence avec quoi ? Avec un beau morceau, hein. C'est Indochine. Voilà, donc très bon morceau. Quelle année ? 83. Je peux pas regarder mon sac. Et après la chaîne carrément K.O. Bang. Bon, très bien. Et puis juste après, Manu, on écoutera un morceau des années 70 que tu nous as sélectionné. Bon, allez, hop. Qu'est-ce c'est que... parti d'avant. Attends, qu'est-ce que tu as dit ? Bernard Minet. D'accord, très bien. Ben écoute, parlez bien fort. Oui. Alors je cale le deuxième. Manu, vas-y, continue. Donc là, on reprend le micro normal. Attention, on y va. Attends, là c'est la musique, donc on s'en fout. Ouais, mais juste l'intervention qu'on se marre un peu. C'est en public en plus, hein. Ah bah c'est ça, c'est bien. T'as une émission en public ? Non, c'est en live. Ah c'est en live, ah, d'accord, ok, ouais, c'est en public. D'accord, attention, on va écouter un morceau en public. Ah ouais, ça va venir. Un morceau en public. Attends, ah, c'est pas encore ? Oui. Attends, ça va venir. Ça va venir. Ça y est. Ah, Indochine, eh oui, Kao Bank, eh oui, ça me rappelle des bons souvenirs, ça. C'est pas vrai, David, ça te rappelle pas les souvenirs, Kao Bank, c'est un truc que t'en penses. Oh là, je vais pas te donner mon avis, mais ça me rappelle quand j'étais petit, oui. Eh oui, mais ça, c'était génial, hein. En plus, j'avais 12 ans, c'est vrai. Bon, en fait, c'est bon. Bon, bref, on va parler des informations, parce que, donc, il y aura même un petit à la fin aussi, mais on va s'enchaîner avec les informations, parce que j'en ai deux, justement, ce que je vais passer. Je vais parler de Souchon et de Paul McCartney, justement, qui vont sortir leur album. Tout d'abord, Souchon à la mi-novembre, avec un premier extrait, donc, qui va sortir bientôt. C'est sorti, ça y est. Hein. Prochainement, on attend l'album. Ah non, c'est pas sorti. Et puis, bien sûr, je vais parler des Enfoirés, justement, comme ils chantent Aznavour, Emmène-moi, et le spectacle sera dès l'année prochaine, en janvier, en province. Donc, on va écouter, ben, justement, Alain Souchon et Paul McCartney, avec tout d'abord La Ballade de Dee, 1986, et ainsi que Paul McCartney, Dee, 1989. C'est pour tout de suite, avant de prendre la suite.
Alors déjà, c'est pour tout de suite avant de prendre la suite. Ensuite, tu me fais Souchon avec Paul McCartney. C'est Paul McCartney avec un T, pas Paul McCartney. D'accord ? Oui. Il est né quelque part, mais il est Paul McCartney. Non, sinon c'est pas mal, hein. Oui. Ce que j'adore, c'est surtout la fin du morceau. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va écouter je vais te rendre donc l'image de ce que tu viens de faire, d'accord ? D'accord. Le son. Alors, où est-ce qu'on pourrait... Tu claques une plage, c'est bon. C'est pareil. Attention. J'avance pas dans le temps. Écoute ce que t'as fait. Merde, ça s'enchaîne, je crois. Eh bien, viens écouter Francis Lalanne, extrait du Zénith 93 sur Zanzim. Bien sûr, c'était Je fais l'amour avec pas la guerre. Alors, toujours avec Manu. Bonsoir. Et toujours avec Phil Lard. Ouais. Alors justement, quelques petites infos avant qu'on aille écouter Tina Turner et plein d'autres tubes dans le nouvel album d'Alain Souchon qui est sorti dans une semaine. Et bon, c'est bon album ou pas dans la critique? Ouais. Mmh. Vous parlez pas en même temps, sinon on vous entend pas. Hein. Vous parlez les uns sur les autres. Donc apparemment un bon album, en tout cas la critique est abordée. Voilà, c'était Francis Lalanne 93, bon morceau, extrait du Zénith. Voilà. Vous écoutez la suite, vous voulez écouter la suite? Ah oh ouais, qu'on se marre, vas-y. Bon, on y va. Donc j'ai allé vite parce que j'ai enchaîné sur deux morceaux. Oh putain. Donc c'est pour ça que maintenant ça va aller vite. Hein. Vas-y, trace la route, vas-y. Ah oui, Paul McCartney, un ex-Beatles, et oui, j'adore les Beatles, même si je suis pas né. On a entendu parler, ils étaient séparés en 1970, mais après, quand il y a eu chacun faisait des disques, comme Paul McCartney justement, et donc on a passé à l'extrait de 89 qui s'appelle Kiss One. Voilà. Maintenant, on va écouter donc Sacha Distello, ça n'a rien à voir, enchaîné à Yves Simon, donc. Qui est un peu plus important. Sacha Distel, donc, je sais qu'il fait beaucoup de chansons de leur vie privée, mais celui-là, c'est pas pareil, parce que ça me rappelle mon enfance. On va s'écouter Le Bateau Blanc, et après, ce sera Yves Simon avec Qu'est-ce que sera demain. Alors, Le Bateau Blanc, c'est 1980, et le Qu'est-ce que sera demain de Yves Simon, c'est 81 ou 82, à confirmer. C'est pas mal, Manu. C'est pas mal. Vas-y, continue à discuter. Non, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a du bon boulot, il y a des choses très intéressantes. Moi, j'aime bien, Manu, ce que tu fais. Hein. Ouais, mais il aurait dû, par exemple, par rapport à Sacha Distel, Le Bateau Blanc, dire c'était quoi pour lui Sacha Distel. Souvenir. Sacha Distel. C'est quoi les souvenirs que tu avais de lui? C'est Le Bateau Blanc, ben, justement, c'est quand j'étais à mon enfance à l'école, on chantait cette chanson, Le Bateau Blanc. Je t'emmène sur l'océan. Viens, je t'emmène sur le bateau blanc. Ah, c'était lui qui chantait ça? La lumière. Sur le bateau blanc. Ah, bah, moi, je connaissais aussi, mais je savais pas que c'était lui qui chantait ça. Tu vois, grâce à ton émission, j'ai appris un truc. Hein. Merci Radio Zanzim. 91.8. Et l'émission, c'est 88.1. Radio Zanzim. Et l'émission s'appelle Succès Chaud. Succès Chaud, d'accord. Alors, là, c'est pas mal. Hein. Et tu sais ce qui serait bien? Oui. C'est que tu m'envoies des cassettes de ton émission, qu'on puisse entendre tes interventions, mais encore mieux quoi, avec la cassette, je pourrais les passer à l'émission. D'accord. Envoie-moi des cassettes de ton émission carrément. Hein. D'accord, ben on va faire ça. Alors envoie-moi une dernière intervention là. Attends, je vais y arriver. Attends. C'est pas mal. Et après on va appeler. Yves Simon, donc, avec Qu'est-ce que sera demain? Et oui, donc, le bon Yves Simon, donc, bien sûr, qu'on n'a plus revu, et donc, on attend son album bientôt. Mais il est sorti, et oh! Sacha Distel. Ben, justement, des albums à venir, mais ça, c'est très à venir. C'est François Feldman, nouvel album, donc, le 23 mai 2000, c'est son anniversaire, donc, le single sortira en avril ou en mai, ça, on ne sait pas exactement. On va s'écouter. Non pas un ringard, mais un tube, bien sûr, qui est en live. Un ringard Exit, et donc, c'est l'année 92. Et c'est le seul truc qu'il a fait en tube, parce qu'après, il a fait que des ringards. On écoute tout de suite. Il a fait des tubes, sur quand c'est pas un tube, c'est un ringard.
Et enfin, je vais te dire l'adresse. Vous Manu, l'adresse Manu. Oui. Je ne savais pas que si on faisait pas un tube, ça s'appelle un ringard. Ah ouais, ben non, c'est parce que non, Feldman, c'est particulier. Il a fait des tubes jusqu'à le live. Après, il a fait des ringards qui est moins important que. Ça veut dire quoi 93. Ça veut dire quoi des ringards? Ben pour moi, les ringards, ce que ça pèse, ça veut dire tout simplement que c'est des tubes qu'on n'a pas entendu assez parler que par rapport aux autres tubes qu'on a entendu beaucoup à la radio. C'est des tubes dont on n'a pas entendu parler, mais un tube, c'est pas. Alors, c'est un tube, mais ça n'est pas un tube. Ah non. Là, j'ai fait l'erreur là-dessus. Ah ouais, là tu t'es. C'est le serpent. Ah la cape. Non, je veux dire, là, je voulais juste... c'est un tube, un ringard, c'est un ringard. Je voulais juste dire à Fred de 20 ans que le lagaffe en question, c'est lui, hein, c'est pas moi. Hein. Ah, vas-y, un dernier, vas-y, pour le fun. Le dernier, voilà, ah, Les gens doivent s'éclater de l'autre côté de la radio, c'est énorme. 32. Attends. Fini. Ah oui, donc en live. Écoute bien l'adresse, hein. Et voilà le petit bijouterie de cette soirée. On a dit qu'il y avait un lag au début et un lag à la fin. Alors ça s'est terminé par François Feldman. Le petit bijouterie. Bien sûr, de toute façon, si vous voulez m'écrire, c'est Succès Show, Radio Zanzin, vous adressez ça à Manu, 11 rue de Joux, 13100 Aix-en-Provence, ou bien téléphoner auprès de David ou Vanessa au 04 42 21 11 22. Voilà. Et puis on se retrouvera dans 15 jours, puisque lundi prochain, justement, il y a mes meilleurs copains à ma place. Et puis voilà. Donc on se retrouve dans 15 jours à 22h. Eh hey Manu, Manu. Oui. Tu vas m'envoyer cette émission là que t'as faite, là tu vas me la mettre sur une cassette. Oui. Et tu vas me l'envoyer à la radio. D'accord. Et tu sais que ce week-end je suis à Aix-en-Provence en plus. Allez. Ah ouais, je suis à Aix-en-Provence. D'accord. Ah, donc ben... on aurait pu presque se rencontrer. Eh oui. On aurait pu faire une émission sur Radio Zanzime. Eh oui. Bah ouais. Ça te dit pas? Eh oui, mais seulement à Aix le week-end et. Ah oui, c'est une bande. C'est une bande. C'est un supermarché. C'est une bande. Ah bah ouais. Non, mais je serais bien venu faire de la radio à Aix-en-Provence. Eh oui. Bah ouais, quel dommage alors. Merde, je ne pourrais pas alors. Ben, je sais pas. C'est pas moi qui vous explique sur la rédaction. C'est vrai que t'as la rédaction. Ouais, t'es bénévole. Bah, je t'en ferai une copie, je t'enverrai. Ouais, d'accord, ok. Et mais vite, hein. Ben, j'ai une cassette en double, je peux te le faire, je peux te l'envoyer d'ici 15 jours. Ah non, d'ici moins de 15 jours, tu rigoles, il faut que je l'ai la semaine prochaine. Ben oui, mais de toute façon, ben, d'ici la semaine prochaine. Non, mais il faut que t'enregistres cette émission ce soir ou demain et que tu me l'envoies dès demain. D'accord. Ah bah ouais, jeudi c'est férié, faut que je l'ai sur mon bureau lundi ou mardi prochain, hein. Ben tu l'auras. D'accord, mais je compte sur toi, faut faire vite parce que 15 jours c'est beaucoup trop long. Hein. Non, mais je sais. Bah alors si tu le sais, alors pourquoi tu le fais? Alors t'arrêtes pas de dire des conneries toi, hein. Bon allez, tu m'envoies ça rapidos, hein. Je t'enverrai ça rapidos. Et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se voir à Aix-en-Provence. Ben oui, ben samedi, je vais au Castelvert, ben c'est on fait une soirée karaoké avec des potes. Ah oui, mais alors ça m'étonnerait que j'y sois quand même, hein. Parce que là, j'y vais en privé, hein, donc j'y vais pas pour travailler, donc je me serais fait un plaisir de faire une petite heure de radio avec toi, comme ça, pour le fun, mais si tu fais pas de radio, c'est dommage, hein. Eh ouais, mais le week-end, on peut pas. Je fais que le lundi seulement. Bah c'est dommage, t'as qu'à demander à la direction de Radio Zanzim, tu dis, il y a Max de Fun Radio qui vient sur Aix-en-Provence, est-ce que je peux prendre une heure d'émission et faire une heure de radio avec lui? Et ouais, mais là, on a la rédaction le jeudi, et quand c'est le 11 novembre, on n'a pas de réunion, justement. Ah là, tu peux pas appeler quelqu'un de la direction pour éventuellement que je vienne samedi? T'en profites pas. Il y a le Star System. Il y a le Star System qui te dit qu'il veut faire une émission de radio avec toi pendant une heure et t'en profites même pas. Et oui, je sais. Eh ben tant pis. Mais c'est très compliqué parce que ça passe toute une histoire. Parce que moi, j'ai dit oui peut-être, mais seulement. C'est compliqué la radio, alors que chez nous c'est si simple et chez vous, alors que c'est une radio locale, c'est si compliqué. Eh oui. Vous n'avez pas besoin d'audience, vous n'avez pas besoin de ceci, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne faites rien. C'est et radio nous... associatif. Ben, je sais, ces radios-là ne font rien, alors que nous, tu vois, on devrait, on peut se permettre de faire plus de choses que vous, alors que vous n'avez aucune pression. Moi, ouais, je sais. Eh, je sais, ben, c'est le milieu, c'est comme ça, c'est les Français, moi on peut en faire, moi on en fait. Eh, je sais, mais je t'enverrai la cassette, ça c'est sûr. Ben, j'espère bien, Manu. Voilà. Alors s'il y a une animation, peut-être une radio locale sur Aix-en-Provence, éventuellement, je dis pas parce que moi je voulais le faire particulièrement avec Manu sur Radio Zanzim. Hein. Donc maintenant, ça veut pas dire que d'autres radios vont appeler en disant bah nous on veut bien que tu viennes dans notre émission, parler pendant une heure. Je suis en vacances, hein, j'y vais pour un petit week-end en privé. Donc si c'est possible, à ce moment-là je le fais. Vous avez qu'à appeler, on verra ce qu'on pourra faire. Manu, à très vite. À très vite. J'attends ta cassette avec impatience qu'on puisse l'écouter, hein. Oui. Et on te rappelle, hein, Manu, tu gères notre ami Manu, hein.
Bien sûr. Allez, ben, je dis un bonjour à Manu, à Filda et à toi, Max. Eh ben, ça tombe bien. Max, un bonsoir plutôt, un bonjour, on va dire. On lui transmettra à Max parce qu'il n'est pas là pour le moment, mais on va te passer Manu et Filgar qui sont au standard. Et on va récupérer pendant ce temps-là Caro qui est avec nous. Et également Giga, c'est ça ? Allô ? Oui, c'est ça. Ça va, Caro ? Ouais. Et Giga, c'est ça ? Oui, bonsoir, Max, ça va ? C'est d'origine quoi, ça ? Giga ? Ouais. C'est Kabil. On s'est déjà eu au téléphone, nous. Exactement, la semaine dernière. Ah, la semaine dernière, voilà, c'est très bien. Donc, c'est Filda et Manu qui vous ont appelé. Exactement. Pour avoir deux filles percutantes. Oui, et moi, bon, vous connaissez bien sûr Franck Dubosc. Bien sûr. Hein, celui qui sévit au Splendide jusqu'à la fin de l'année, dont j'ai beaucoup parlé, qui est venu 3-4 fois dans l'émission, qui va être amené à revenir. On va être amené peut-être un jour en direct à aller le récupérer à la fin de son spectacle en direct sur l'antenne de Fun Radio sur les planches du Splendide pour le ramener à la radio. Et ce soir, en ce lundi 8 novembre 99, c'est son anniversaire. Voilà. Je disais qu'il avait 45 ans, mais c'est pas vrai, je ne sais pas l'âge qu'il a en réalité. Mais il fait tellement vieux, tu sais, avec ses cheveux blancs. Non, parce qu'il a 45 ans, c'est un peu critique. Bah, ça commence à devenir dangereux, oui, pour lui. Ouais, c'est bien ce que alors on y va, on va l'appeler sur son portable. Il n'est pas évident qu'il soit en ligne, hein, parce que peut-être qu'il fête son anniversaire ce soir et qu'il est peut-être en train de faire l'amour avec sa femme. Bah, justement. Bah oui, mais. C'est très excitant. Allô ? Ça sonne ? Ah, ça va sonner, on est déjà sur la messagerie. Donc, si ça tombe sur la messagerie, hein, dans ces cas-là, là, je vais couper au cas où, et on lui souhaite bon anniversaire. Hein. D'accord, les filles ? Ouais. Et s'il décroche, on met direct la musique, on se présente pas. Vous attendez la musique et dès que vous me suivez. D'accord. Oh, j'espère qu'il est là quand même. Alors. Oui, salut, c'est Franck. Eh bien, laissez-moi un message, je vous rappelle. À bientôt, ciao. Attention, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Francky. Joyeux joyeux anniversaire. Comment ? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Franck Dubouc. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Francky. Voilà, t'es en direct sur l'antenne de Fun Radio à 23h16 avec Caroline et avec Giga. Mais à l'heure qu'il est, tu dois déjà être en train de dormir vu ton âge certain. Ou alors t'es en train de faire l'amour. Ouais. Ah, on te l'espère bien, oui. Bah, on te l'espère bien en tous les cas. Salut Francky. Exactement. Bon courage. Et ne t'inquiète pas, il y aura du monde dans ta salle durant toute l'année parce qu'il est quand même très flippé de ce côté-là. Salut Francky. Ouais. Embrasse la famille. Bisous. Ciao. Voilà, Franck Dubosc qu'on a appelé en direct, bien sûr, et à qui on a souhaité un petit anniversaire comme ça. Ça lui fera plaisir, à mon avis, d'avoir ce message dès demain. Caro et Jiggy. Giga, on vous embrasse. Et moi aussi. Bisous les filles. Bisous. À toi aussi. Ciao. Ciao. C'est chaud! Salut Max, salut à tous! Alors, un auditeur de Radio Zanzine, une cassette de tes dernières émissions afin qu'on puisse découvrir et surtout voir si tu as fait des progrès. Nous avons écouté tout à l'heure en exclusivité un extrait, intervention de ta dernière émission. On va en écouter tout de suite encore deux, trois. Écoutez plutôt Manu de Radio Zanzine en direct. Écoutez ce qu'il a fait la semaine dernière. Enfin, mercredi dernier, c'est ça? Lundi 29. Ah, jusqu'au bout le disque. Hein. Vous avez écouté Jimmy Cliff avec cette chanson qui s'intitule Brand New AES. Voilà. Bien, maintenant, on va écouter tout de suite Chris Combette avec un titre que j'aime bien, ce que j'ai découvert grâce au Guyanais qui s'appelle Colonel. On va écouter tout de suite. Bon bah je vois que t'es toujours aussi bon à la technique, Manu. Eh oui. Hein, d'accord, ok, encore un extrait, donc encore une nouvelle intervention de l'émission de Manu. Attention, c'est tout chaud, ça date d'il y a lundi 29, donc de 29 novembre. C'est énorme. C'était Chris Combette avec une chanson que j'aime bien, de préférence, qui s'appelle Colonel. Génial. Voilà. Maintenant, tout de suite, on va s'écouter donc Maxime Le Forestier avec Chien d'idée. Ouais. C'est un enregistrement qu'il a fait dans l'album C'est passé ma route et dans l'extrait, donc, il est avec la participation de Vanessa Paradis. Si vous écoutez ce petit bijou, ça fait penser à l'année 95-96, donc à sa date de sortie. C'est pour tout de suite.
Alors là, il y a du sous, c'est en cassette. Allez, c'est parti. C'est vrai que quand on écoute ce morceau, ça nous fait automatiquement penser à l'année 96-95, Manu ? Oui. Comment ça se fait ? Parce que c'était la date de sa sortie, c'est ça ? Eh oui, ah, c'est d'accord. La date de la sortie de l'album de Maxime Le Forestier, fin 95, début 96, de l'album Passer ma route. Et puis il y a eu donc Passer ma route. Il est incollable, extrait. Il est incollable. Hein, tu as... Et après, il y a eu Chaîne d'idées. C'est hallucinant, mais t'es incollable, toi, en chanson. Hein. C'est fou. On écoute encore une intervention que de ta dernière émission de lundi. C'était donc Vanessa Paradis et Maxime Le Forestier avec Chienne d'idées. Ah ouais, voilà. C'est ça, ça confirme. Donc une chanson très festiche, mais je sais que ça me rappelle des souvenirs. Des bons souvenirs, eh oui. Surtout si c'est Maxime Le Forestier qui est un très beau chanteur dont on attend son nouvel album. Énorme. Que Vanessa Paradis, ben justement, un projet, c'est qu'elle va sortir un album en anglais grâce à Johnny Depp, son mari, qui devrait pas tarder à sortir d'ici début 2000. Hein, donc on vous tiendra au courant. Et à propos aussi, c'est que donc je sais que je vais faire le DJ, comme j'en ai parlé la semaine dernière, ah oui. Mais aux 3 biceps. Mais je vous donnerai un peu plus au courant la semaine prochaine, puisqu'on est dans les temps, puisque c'est le 21 décembre à partir de 17h30. Carrément, tu vas être DJ à 17h30 le 21 décembre. Oui. Eh ben dis donc, mon prof, toutes mes félicitations. Bravo, Manu. Bravo, et je vous enverrai en plus. Hein, ça, ah, c'est génial. Promis, hein. Ah, ça me fait plaisir, ça. Dis donc, mon salaud, dis donc, tu cartonnes, toi. Hein. Eh oui. Ah, c'est le cas de le dire, hein. Tu cartonnes. Ouais. Eh oui. Est-ce qu'on se fera encore un petit plaisir, encore une petite intervention de notre ami Manu? Oui. Allez, encore une petite intervention pour le plaisir de tous. Écoutez plutôt, hein. Pour le fun. Quel talent. Oh, le blanc. C'était bien sûr Rachid Barry avec Je suis un homme. Et puis donc je vous ai oublié de parler que tout simplement Bernie Bonvoisin, c'est un des chanteurs, de l'ex-chanteur du groupe Trust, ceux qui chantaient à cette époque antisocial. Ah, c'est trop violent, mais je sais. Mais encore Bernie Bonvoisin a fait pas mal de choses. Hein. Bon, ben, je pense que l'adresse, vous savez tout, je vous dirai un peu plus la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, oh, bah oui, on va s'écouter Perestroska avant ah bah, de. Quand même, ce serait dommage. Au revoir avec le générique. Avec, qui sera en concert le 17 décembre à l'Olive à Bulle. Et dans ce groupe, il y a Monjo qui présente Planète 51 chaque mardi à 21h avec Garage. Voilà. Maintenant, c'est pour tout de suite, on s'écoute. Qu'est-ce que tu as dit, Manu ? C'est un petit bijouterie que j'ai voulu me passer à la fin. C'est un petit bijouterie ? Oui, oui. C'est vrai que... C'est Perestroska, ils ont sorti un album, il y avait 4 chansons, et dans, justement, il y a Allègrement. C'est vrai que nous, on dit souvent c'est un petit bijou, mais toi, quand c'est vraiment quelque chose de gros, c'est une bijouterie. Eh oui. C'est ça qui fait ton originalité dans l'animation. Hein. Eh oui. Allez, merde, on résiste pas à une dernière intervention de Manu. Allègrement. C'était donc Perestroska avec dans la voix de Monjo. Une bijouterie. Voilà. Donc, je vous dirai tout sur le 3 bicef le 21 décembre. Donc, la semaine prochaine ou même dans 15 jours, on a jusqu'au 21 justement, je descends parce que mercredi c'est le premier. Et donc également, et puis un petit souvenir à Monjo qui m'a dit de passer ce disque parce que je suis à la technique. Voilà. Je vous dis au revoir et on se retrouve lundi prochain. Dans un instant, vous allez retrouver Miss Timbrin dans l'émission Écoute et ferme les yeux, écoute comme ça sont bons. Voilà. Au revoir. Et voilà. Ah bah dis donc mon pauvre, dis donc c'est que ça cartonne au niveau de... Je sais pas.